Relancer l'activité de Kenya Airways, telle est l'ambition du nouveau PDG de la compagnie aérienne, Sébastien Mikos. Kenya Airways a enregistré d'importantes pertes au cours de l'exercice 2016-2017 suite à une baisse du tourisme et des dettes contractées pour acheter de nouveaux avions. Le PDG doit encore rembourser une restructuration de 2 milliards de dollars pour éviter l'effondrement de la compagnie aérienne. Nous n'avons pas terminé la restructuration financière. Nous avons terminé la partie liée au bilan, mais nous devons encore prouver que nous pouvons produire des bénéfices d'exploitation et c'est notre plus grand défi dans cet environnement où nous avons beaucoup de concurrence. Nous devons trouver un moyen de faire des bénéfices et générer de l'argent. C'est ce que nous avons promis lorsque nous avons signé le plan quinquennal. Afin de remettre la compagnie aérienne sur pied et d'attirer de nouveaux investisseurs, le PDG prévoit de lancer une nouvelle classe économique plus d'ici la fin de l'année 2018. Une classe haut de gamme conçue pour les voyageurs d'affaires et les touristes fortunés. Nous avons une cabine classe affaires que nous devons remplir et une classe économique. Et nous travaillons sur un nouveau projet. Dans quelques mois, nous aurons une classe économique plus. Il y aura des sièges plus larges et plus d'espace entre eux afin d'offrir plus de confort. Kenya Airways a également mis au point une liaison directe avec les États-Unis. Le premier vol direct Nairobi-New York est prévu à partir d'octobre 2018, un vol dit ultra long courrier d'une quinzaine d'heures, une première dans un pays d'Afrique de l'Est. Cette liaison aérienne s'annonce donc comme une puissante arme commerciale pour faire face à la concurrence dans la région et effacer les 267 millions de dollars de dettes de la compagnie aérienne.